Catéchisme de Saint Pie X, page 165. Puisque Jésus-Christ est notre médiateur auprès de Dieu, pourquoi recourons-nous aussi à l'intercession de la Très Sainte Vierge et des saints? Jésus-Christ est notre médiateur auprès de Dieu parce que, étant vrai Dieu et vrai homme, lui seul, en vertu de ses propres mérites, nous a réconciliés avec Dieu et nous obtient de lui toutes les grâces. Mais la Sainte Vierge et les saints, en vertu des mérites de Jésus-Christ et par la charité qui les unit à Dieu et à nous, nous aident, par leur intercession, à obtenir les grâces que nous demandons. Et c'est là un des grands biens de la communion des saints. Pouvons-nous aussi honorer les saintes images de Jésus-Christ et des saints? Oui, parce que l'honneur que l'on rend aux saintes images de Jésus-Christ et des saints est rapporté à leur personne même. Et les reliques des saints, peut-on les honorer? Oui, on doit aussi honorer les reliques des saints parce que leurs corps furent les membres vivants de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit, et qu'ils doivent ressusciter glorieux à une vie éternelle. Quelle différence y a-t-il entre le culte que nous rendons à Dieu et le culte que nous rendons aux saints? Entre le culte que nous rendons à Dieu et le culte que nous rendons aux saints, il y a cette différence, que Dieu nous l'adorons pour son excellence infinie. Les saints, au contraire, nous ne les adorons pas, mais nous les honorons et nous les vénérons comme les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Le culte que nous rendons à Dieu s'appelle culte de l'atrie, c'est-à-dire l'adoration. Et le culte que nous rendons aux saints s'appelle culte de dulie, c'est-à-dire de vénération pour les serviteurs de Dieu. Enfin, le culte que nous rendons à la Très Sainte Vierge s'appelle culte d'hyperdulie, c'est-à-dire de vénération toute spéciale, comme pour la Mère de Dieu. Fin du paragraphe 1 sur le premier commandement. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire pour la vidéo du début du premier commandement, mais je la place évidemment également dans le domaine public et je renonce également pour celle-ci et celle-là à mes droits d'auteur.